venu ici pour voir le talent et les opportunités qui sont peut-être là pour qu'on prenne des joueurs, les jeunes joueurs qui peuvent avoir de temps de jeu en Belgique. On a déjà eu quelques profils assez intéressants comme Pavlovic Biancone et encore des autres, Anthony Moussaba. Je dois dire que je suis quand même surpris, je suis quand même impressionné avec qu'est-ce qu'ils ont montré à l'entraînement. This week, the main goal of having all of our staff from Cercle Bruges here in Monaco is, first of all, to continue to build the synergy and the strategy that we have within the group between both teams. The idea is that not that we have a team in Monaco and a team in Bruges, is that we're one team, and this is the beginning of this new synergy that we're trying to create. And the goal of doing the session together with the team is that to start to get to know some of the players that potentially come across to Cercle Bruges next season. We're very satisfied with the attitude of the boys, the quality that we saw, and I think it was a very good session that of course, together with the game that we're going to watch on next Friday, will for sure give us a better sense of who each player is and if they can probably come across in the future to Cercle Bruges. C'est du bonus pour AS Monaco et aussi Cercle Bruges, parce que le temps de jeu en tant que première équipe de Monaco, c'est peut-être pas directement faisable. Mais à une jeunesse de 18, 19, 20 ans, il y a Biancone qui a déjà joué presque 50 matchs en première division en Belgique. C'est que de bonus. C'est vraiment une situation que les deux équipes ils gagnent.